Et nous allons commencer cet après-midi la 19e rencontre de Chaminadour avec l'intervention de M. François Hartog, que Olivier va vous présenter. Alors, François Hartog est, commençons par les choses institutionnelles, est directeur d'études émérite à l'École des hautes études en sciences sociales. Et c'est un homme orchestre. Les domaines qu'il a parcourus comprennent l'histoire grecque, l'historiographie, l'histoire philosophique ou conceptuelle. Je ne sais pas très bien comment il faut la nommer. Sans parler de l'intérêt constant qu'il a manifesté pour la littérature, et dont je lui suis reconnaissant. Il y a un peu d'Ulysse en lui, puisqu'il a commencé sa vie savante, disons, par un tour du monde accompli essentiellement par voie maritime, et où il a connu la tentation de l'anthropologie. Son premier livre, Le miroir d'Hérodote, qui est paru, je ne sais plus quand, en 1980, et qui était aussi sa thèse, portait sur les représentations de l'autre chez Hérodote. Et son prochain livre, dont il m'a fait l'honneur de me communiquer les pages, et qui va paraître chez Gallimard, étudie les grands partages qui, depuis les Grecs jusqu'à aujourd'hui, ont défini l'humain. Il a été le disciple et l'ami, j'en suis sûr, même de Jean-Pierre Vernant. Il a consacré plusieurs livres à la réflexion sur l'histoire, le 19e siècle et l'histoire, le cas Fustel de Coulanges, Évidence de l'histoire, ce que voient les historiens, etc. Son livre « Régime d'historicité, présentisme et expérience du temps » qui a paru en 2003 a rendu célèbre, on peut dire, le concept de présentisme qui est maintenant utilisé un peu à tort et à travers. Et sa réflexion sur l'expérience du temps s'est poursuivie avec « Chronos, l'Occident aux prises avec le temps » en 2020. Et j'ajoute, parce que l'amitié a un certain rôle, enfin donne une certaine coloration, l'amitié entre certains d'entre nous donne une certaine coloration que vous remarquerez peut-être, je ne sais pas, je l'espère, à ces rencontres de Chaminadour. J'ajoute que c'est un de mes plus vieux amis. Voilà. Merci Olivier, merci à toute l'équipe de Chaminadour. Et je vais vous entretenir dans les minutes qui viennent de ce thème, la mort qui tout achève. Il n'est rien pour moi qui vaille la vie, ainsi commence la réponse d'Achille aux paroles d'Ulysse et d'Ajax. Dépêché en ambassade par Agamemnon, ils sont venus le presser d'abandonner sa colère et de reprendre le combat, alors que la situation des Achéens est critique. Non, il n'y a rien que l'on puisse mettre en regard de la vie qui puisse équivaloir au souffle de la vie, antaxion psuches, pas même toutes les richesses qu'on pourrait accumuler. Et vous allez voir que la plupart des citations à travers lesquelles nous allons passer ont déjà été prononcés, ont déjà été évoqués, et je les rencontre, je les retrouve avec la question qui est la mienne dans cet exposé, ce qui est un indice, si l'on en avait besoin, de la polyphonie des vers homériques. Car, et je continue, ajoute-t-il, la vie, psyché, d'un homme ne se retrouve pas. Jamais plus elle ne se laisse ni enlever ni saisir, du jour qu'elle est sortie de l'enclos de ses dents. Nul ne saurait échapper, à commencer par lui, Achille, à la mort qui tout achève, telos thanatoio, selon la traduction de Paul Mazon. Littéralement, la fin de la mort, cette mort
cette fin qu'est la mort, puisque pour les humains, nul autre terme n'existe. La formule revient à plusieurs reprises. Aussi l'exprime-je comme fil directeur de mon propos. Achille sait bien que deux destins vont l'emportant vers la mort qui tout achève. Le point notable, qui a déjà été soulevé, relevé, est que dans l'un et l'autre cas, l'issue est la même, la mort, soit plus tôt, soit plus tard. Comment, demandons-nous, se manifeste le passage de vie à trépas et que deviennent celles et ceux qui, selon la formule usuelle, rejoignent les demeures d'Hadès et de Perséphone? Et quel est au vrai le statut de cette psyché, souffle vital, vapeur, fumée, qui, une fois sortie de l'enclos des dents, jamais ne fait retour? Qu'en est-il de la condition mortelle? Si l'on demande aux immortels leur point de vue, il n'est guère surprenant qu'il n'ait pas une haute opinion de ces êtres, aussi nommés les éphémères. Pour Apollon, ils sont pareils à des feuilles, comme il le dit à Poséidon, à un moment où tous deux s'opposent vivement. Apollon soutient les Troyens, alors que Poséidon est engagé du côté des Achéens. Tu me dirais que j'ai l'esprit atteint si je partais en guerre contre toi pour de pauvres, de faibles humains, qui tantôt vivent plein d'éclat, en mangeant le fruit de la terre, tantôt se consument et tombent privés de vie. Conclusion, nous battre pour ces êtres de peu n'en vaut pas la peine. Loin d'être en reste sur le sujet, Zeus va même plus loin. Rien n'est plus misérable que l'homme, déclare-t-il en s'adressant aux chevaux immortels d'Achille. Pourquoi vous ai-je donné à Sire Pélée, un mortel, vous que ne touche ni l'âge ni la mort? Est-ce donc pour que vous ayez votre part des douleurs avec les malheureux humains? Rien n'est plus misérable, oidzuroteron, entre tous les êtres qui respirent et qui marchent sur la terre. À ses yeux, l'homme est donc non seulement mortel, mais de tous les êtres vivants, il est celui dont la condition est la pire. Dans la Théogonie et les Travaux et les Jours, Hésiode se fait écho à ce jugement sans appel qu'il explique et justifie longuement. En effet, depuis la fin de la commensalité qui jadis réunissait les dieux et les humains, le sort de ces derniers n'a fait qu'empirer jusqu'à arriver à l'époque de l'âge de fer où les maux l'emportent sur les biens, et quand surviendra le second âge de fer, toute sociabilité disparaîtra. Le seul droit sera la force, et les humains n'auront à attendre qu'une mort sans aucune espèce de prolongement. Tout aussi révélateur est le débat qui surgit entre Zeus et Héra à propos du sort de Sarpédon, le chef des Lyciens. Un simple mortel, dit Héra, tu voudrais le soustraire à la mort. Mais si tu emportes Sarpédon dans sa demeure, prends garde que par la suite, un autre dieu à son tour ne prétende emporter son fils hors de la mêlée brutale. Car Sarpédon est fils de Zeus. Une telle exception viendrait rompre l'ordre instauré par Zeus lui-même, celui en principe d'une stricte séparation entre les immortels et les mortels. Celui-ci renonce à son projet, il laisse Patrocle tuer Sarpédon et avoir la gloire. Comme l'énonce le célèbre cœur dans l'Antigone de Sophocle, il n'est pas de plus grande merveille que l'homme, parole, pensée vive, comme le vent, aspiration d'où naissent les cités, tout cela, il se l'est enseigné à lui-même. Contre la mort, seul, il n'aura jamais de moyen de fuite. Phoxine. Reprise dans le code de l'honneur guerrier, cette inéluctabilité donne ceci. « Ah, doux amis, dit Sarpédon à son compagnon Glaucos, si échapper à cette guerre nous permettait de vivre ensuite éternellement, sans que nous touche ni l'âge ni la mort, ce n'est certes pas moi qui combattrai au premier rang, ni qui t'expédierai vers la bataille où l'homme acquiert la gloire. Mais puisqu'en fait, et quoi qu'on fasse, les déesses du trépas sont là embusquées innombrables, et qu'aucun mortel ne peut ni les fuir ni leur échapper, allons voir si nous donnerons la gloire à un autre, ou bien si c'est un autre qui nous la donnera à nous. La seule alternative est donc gagner ou donner la gloire, la gagner pour soi ou la donner à un autre. C'est ce qui fait des guerriers une caste à part. À ce point surgit une question. S'il n'est pas douteux que, selon une formule qui, elle aussi, revient souvent, la vie soit douce comme le miel, au nom de quoi Ulysse refuse-t-il l'immortalité lorsque Calypso la lui propose, à la condition, bien sûr, qu'il consente à demeurer avec elle dans son île?
intervient, comme il le dit, sa volonté de n'oublier ni Pénélope, ni Ithaque, car à la différence de ses oublieux compagnons, Ulysse jamais n'oublie le jour du retour. Certes, mais il y a plus. Ce serait transgresser l'ordre de Zeus, celui de la séparation désormais actée entre mortels et immortels. Dans l'Iliade, si la frontière existe, les transgressions sont loin d'être rares, comme en témoigne la généalogie de bon nombre de héros. Il y a le cas de Sarpédon, tout juste évoqué, Idoménée, le chef des Crétois, à Zeus pour arrière-grand-père. Quant à Achille, Thétis, sa mère, on en a beaucoup parlé ce matin, est une déesse qui veille sur lui autant qu'elle le peut, et son père, Pélée, a lui-même pour père, Éaque, un fils de Zeus. Mais en dépit de tout l'amour que lui porte Thétis, elle ne peut infléchir son destin. Dans l'Odyssée, la séparation est plus affirmée. L'âge des héros s'est déjà éloigné, et les dieux s'impliquent moins directement dans les affaires des humains. Seule Athéna ne cesse de se soucier d'Ulysse, avec lequel elle n'a cependant pas de lien de parenté. Tandis que Poséidon le poursuit de sa vindicte pour avoir rendu aveugle son fils Polyphème, un monstre cannibale. Sitôt que Zeus avance de l'offre de Calypso à Ulysse, il dépêche Hermès pour lui enjoindre de le renvoyer sans délai. Calypso proteste, mais elle doit obéir. « Vous êtes sans pitié, dit-elle, Dieu plus jaloux que les mortels, qui détestait de voir une déesse avec un homme, ouvertement quand elle l'a pris pour époux. » La règle est désormais clairement énoncée et rappelée. Mais dans le refus d'Ulysse, il y a quelque chose de plus encore, qui engage moins la mort physique que la mort sociale. Pour ceux marqués par le destin, la mort est ce qui tout achève. Deux images reviennent pour l'évoquer, le noir trépas et le gouffre de la mort. De Sarpédon, touché par Patrocle, il est dit que la mort qui tout achève déjà enveloppe ses yeux, Calypsé, déjà enveloppe ses yeux, ses narines. Comme un voile jeté, la mort éteint le regard et interrompt la respiration. J'aimerais que ceci s'interrompe. Est-ce pour autant la fin de tout? Assurément non, car il y a un devoir impératif des vivants à l'égard des morts, c'est-à-dire de leur dépouille. Ne pas le respecter, livrer aux chiens, aux oiseaux, aux poissons, laisser pourrir ou pire, outrager un cadavre, est une transgression majeure. On se bat autour du cadavre de Patrocle, dépouillé de ses armes, pour que les Troyens ne le mutilent pas. Celui de Sarpédon est finalement préservé sur ordre de Zeus, pour qu'il puisse recevoir chez lui les honneurs funèbres. Dans sa fureur, Achille massacre, mutile, couvre la plaine de Troie de cadavres, remplit le scamandre de noyés, jusqu'à, point culminant de la transgression, traîner derrière son char le cadavre d'Hector, dont la tête gît dans la poussière, et faire par provocation, plusieurs fois, le tour des remparts de Troie. Il en va ainsi jusqu'à ce que Priam, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, venu en suppliant, obtienne finalement la restitution de la dépouille de son fils et que l'Iliade puisse s'achever sur la trêve de 12 jours accordée par Achille afin que se déroulent les funérailles d'Hector. En organisant les jeux funèbres en l'honneur de Patrocle et en permettant à Priam de célébrer les funérailles de son fils, Achille réintègre le monde des humains, celui de mortels qui ont pour premier devoir d'honorer comme il convient leur mort. Jusqu'à son retour à Ithaque, Ulysse s'efforce d'échapper à la mort, et plus que tout, à une mort anonyme. Or, il n'en est pas de pire que la mort en mer. Celui qu'emporte la tempête ou dont le navire se brise quitte le monde des vivants sans entrer pour autant dans celui des morts. Il devient un disparu. Sans pouvoir recevoir les honneurs funèbres qui lui sont dus et sans tombeau, pour recueillir ses cendres, il erre et s'abîme dans l'oubli. Plus d'une fois, Ulysse regrette de n'être pas mort devant Troie, car, comme pour les autres héros tombés là, une stèle rappellerait sa mémoire et il recevrait son lot de gloire. À Ithaque, la vie suspendue à son retour pourrait alors reprendre son cours et le temps se remettre en marche. Les prétendants cesseraient de piller ses biens, Pénélope pourrait se remarier,
et Télémaque, à qui il léguerait sa haute gloire, pourrait prétendre lui succéder. Mais au lieu d'être consumé par la flamme du bûcher, son cadavre outragé, comme le craint Télémaque, a servi de pâture aux chiens, aux oiseaux et aux poissons. Et au lieu qu'aient pu être recueillis ses ossements blancs, ils pourrissent peut-être à la pluie quelque part sur terre, à moins que les flots ne les roulent. Il a été emporté sans gloire, dit Télémaque, par les harpies, ces vents de tempête et de mort, et il s'en est allé invisible et ignoré. S'il en est ainsi, pourquoi, j'y reviens, refuser l'immortalité que lui propose Calypso? Parce qu'au fond, et c'est là le point décisif, il ne gagnerait qu'une immortalité anonyme. Vivant sur le solitaire, sur son île lointaine, Calypso, bien que déesse, est en effet ignoré de tous, même des dieux. En partageant le lit de la nymphe, Ulysse gagnerait sans doute de rester toujours vivant, mais il perdrait assurément toute gloire posthume. C'est pour le coup qu'il deviendrait personne. Il serait à jamais plus personne. Un héros, sous peine de se renier, ne peut accepter un tel marché. Ce serait assurément un sort moins enviable encore que celui d'Achille, qui, plongé dans la nuit de l'Hadès, demeure au moins pleinement présent dans la mémoire des vivants. À la fin, Ulysse gagne tout, le retour et la promesse d'une gloire posthume, tout en sachant que la mort viendra le saisir, lui a annoncé Tirésias, une mort très douce, mais la mort malgré tout. Dû par les vivants, le devoir de piété est attendu par les morts eux-mêmes, ainsi que le rappel Elpénor, ou plutôt son ombre, sa psyché, à Ulysse, au moment où celui-ci arrive à l'entrée de la maison d'Hadès. Ayant succombé chez Circé à la suite d'une mauvaise chute, alors qu'il avait trop bu, ce qui n'est pas vraiment glorieux, Elpénor avait été laissé sans sépulture. Aussi enjoint-il à Ulysse de réparer ce manquement lorsqu'à son retour des demeures d'Hadès, il fera à nouveau escale chez Circé. Ne pars pas en m'abandonnant sans sépulture et sans larmes, attirant la colère des dieux, mais brûle-moi avec toutes les armes que j'avais. Dresse-moi un tombeau sur les rives de la mer Grise pour qu'il rappelle un malheureux aux hommes à venir. Pour les vivants, l'enjeu est double. Le devoir de mémoire ne se sépare pas du souci d'éviter la colère des dieux. Sur l'importance du rituel, du point de vue du mort lui-même, la psyché de Patrocle est plus précise encore. Alors qu'Achille a fini par trouver le sommeil, la psyché de Patrocle, mort, lui apparaît. En tout pareil au héros pour la taille, les beaux yeux, la voix, et son corps est vêtu des mêmes vêtements. « Tu dors, lui dit-elle, et moi tu m'as oublié, Achille. Ensevelis-moi au plus vite, afin que je passe les portes d'Hadès. Des âmes et idolas sont là qui m'écartent, m'éloignent, ombre de défunts. Elles m'interdisent de franchir le fleuve et de les rejoindre. Je suis là à errer vainement à travers la demeure d'Hadès aux larges portes. Je ne sortirai plus désormais de l'Hadès quand vous m'aurez donné ma part de feu. » À cette condition seulement, la mort peut être déclarée celle qui tout achève. Pour que sa psyché, ayant franchi les portes de l'Hadès, le mort soit définitivement mort, cette intervention décisive des vivants est requise. Avec ses nombreuses scènes de combat singuliers, l'Iliade décrit avec précision ce qui se passe à l'instant où un guerrier tombe frappé à mort. Sortant de l'enclos de ses dents, parfois aussi de la blessure elle-même, la psyché s'envole. Ainsi, quand Patrocle tue Sarpédon, il lui met le pied sur la poitrine et lui tire sa pique du corps. Le péricarde accroché suit et Patrocle ramène ensemble la psyché de Sarpédon et le bout de sa lance. De même, quand peu après, c'est au tour de Patrocle de succomber sous les coups d'Hector, la mort qui tout achève déjà l'enveloppe, la psyché quitte ses membres et s'en va en volant chez Hadès, pleurant sur son destin, quittant la force et la jeunesse. Il est déjà mort quand l'illustre Hector lui dit, etc. Mais une fois entré chez Hadès, et pour autant que les rites funéraires aient été accomplis,
les psukhailles, ne sont plus que des têtes sans force, sans conscience, toutes encapuchonnées de nuit. Évitant âme, Mazon traduit psyché par ombre. Celle-ci est en effet ce qui quitte la personne à l'instant du trépas, si bien que l'être humain n'a pas, à proprement parler, une âme, mais quand il meurt, sa psyché le quitte et s'exhale comme une fumée. La psyché de Patrocle, qu'Achille voit surgir devant lui, possède bien tous les traits de son ami. Mais à l'instant où il veut l'étreindre, elle s'évapore et n'est plus qu'une fumée, disparaissant sous terre dans un petit cri. Se levant d'un bond, Achille ajoute « Ah, point de doute, un je ne sais quoi se trouve encore chez Hadès, une âme, une ombre, mais où n'habite plus l'esprit. » Elle lui ressemblait à Patrocle, elle lui ressemblait prodigieusement. Double et idolone, amoindrie de la personne, elle en a toutes les apparences, sauf qu'elle est privée d'existence réelle. La psyché, écrit Jean-Pierre Vernant, n'est pas ce corps qu'on voit en elle, mais son image fantomatique. Un non-être, donc sans substance, et pourtant doté d'une forme de survie léthargique. À cette première acception de psyché, s'en ajoute une autre qui établit un lien, voire une équivalence, entre psyché et Aion, dont Barbara Cassin a parlé ce matin. Aion signifie en effet d'abord force de vie, source de vitalité. Quand un guerrier tombe, on dit que l'abandonne l'âme et la force vitale. Psyché et Aion. C'est ce qui advient à Sarpédon, frappé par Patrocle. Revenons une fois encore au propos d'Achille. Placé devant l'alternative d'un retour sans gloire ou d'une mort glorieuse, il sait bien qu'à la guerre, on peut gagner du butin, mais que la psyché, une fois qu'elle s'est échappée, on ne peut la ramener. En revanche, si lui, Achille, revenait vivant de Troie, s'en serait fait de la noble gloire, tandis que l'attendrait une longue vie. Et c'est un long aion. Une longue vie l'attendrait encore, et la mort qui tout achève, de longtemps ne saurait l'attendre. Il dit un long aion, c'est-à-dire une force vitale qui dure longtemps, et donc une longue vie, ou un aion qui met du temps à se consumer. On saisit ici comment aion, passant du principe vital à la durée, se temporalise, durée de la vie, puis âge, génération, et finalement succession des générations. Aux morts dont on récupère les cendres, on dresse un mnéma, une stèle. Ce mnéma, celui d'Achille et de Patrocle sur le rivage troyen, dont les cendres seront réunies dans la même urne. La stèle dressée est là pour rappeler le souvenir du mort. Mais pour que la stèle parle, fasse durablement mémoire des exploits du guerrier disparu, il faut plus. Le chant de la haie, qui est l'agent et le garant de ce qu'on peut nommer le contrat épique. Pour ruser avec la mortalité, qui est leur lot, les humains ont en effet inventé ce dispositif de survie qui est à leur portée, à savoir l'inscription dans la mémoire des vivants. Telle est bien la fonction sociale de la poésie épique. Que demande-t-on aux aèdes de chanter lors des banquets en l'honneur d'un hôte de marque, les héros, ces hommes d'avant, qui par leurs exploits ont su échapper à la foule des sans-noms. Un guerrier peut accepter de mourir au combat et de quitter la vie douce comme le miel en contrepartie d'une gloire immortelle, exactement qui ne se consume pas. Par sa mort, au vu et au su de tous, il entre dans la mémoire du groupe. Hector est salué comme le meilleur des Troyens, tandis qu'Achille, reconnu comme le meilleur des Achéens, est évidemment la figure paradigmatique de cette économie de la gloire. Lui qui a fait, Achille, en toute connaissance de cause, le choix d'une vie brève. Sur les rapports entre la gloire et la mort, le personnage d'Ulysse nous offre plusieurs aperçus importants. Nous avons compris qu'une immortalité anonyme était incompatible avec le statut de héros. Il ne saurait faire sien le « pour vivre heureux, vivons cachés ». L'homme frontière qui est Ulysse fait aussi en cette matière plusieurs expériences qu'on peut justement qualifier d'expériences limites. La première a lieu chez les Phéaciens, ces passeurs infaillibles qui, vivant à l'écart, sont eux-mêmes des hommes entre deux mondes.
Au cours du festin donné en son honneur par le roi des Phéaciens, on a déjà fait allusion à ce passage, Ulysse demande à Laède de chanter l'épisode du cheval de bois, soit son grand moment de gloire, alors même qu'il n'est plus que ce naufragé ayant tout perdu jusqu'à son nom. Laède s'exécute. L'évocation est si vivante et si précise qu'on dirait qu'il a lui-même assisté à l'événement, lui déclare Ulysse, qui ne peut s'empêcher de laisser couler ses larmes. Sitôt qu'il s'en aperçoit, le roi interrompt Laède. « Dis-moi, demande-t-il à son hôte, pourquoi, dans le secret, tu soupires et tu pleures, en entendant le sort des Danaïens et des Troyens ? Ce sont les dieux qui l'ont choisi. Ils ont filé la ruine de ces hommes pour qu'on les chante encore à l'avenir. » Pour le roi, Alcinoos, il n'y a rien là que de très normal. Laède fait son métier. Il n'en va évidemment pas de même pour Ulysse, car en s'entendant célébrer à la troisième personne, il se trouve être l'auditeur de ce qu'un vivant normalement n'entend pas. Seuls ceux pour qui la mort a bien été ce qui tout achève peuvent être chantés ainsi. Aussitôt que monte le chant de Laède, Ulysse se trouve jeté dans une sorte d'entre-deux, entre la vie et la mort, où ni mort ni vivant. Il a disparu depuis longtemps dans un espace que les hommes mangeurs de pain ne fréquentent pas. Sa seule ressource est de pleurer. C'est la première signification de ces larmes sur lesquelles Alcinoos se méprend, en lui demandant si un de ses proches est mort devant Troie. Il pleure sur lui-même. Les larmes confirment que le Cléos est l'affaire des vivants et non des morts. Elles ont encore une autre signification qui touche directement à la condition humaine dans son rapport au temps. Ulysse pleure parce qu'il n'a pas les mots pour relier celui qu'il était, le héros pilleur de Troie, et celui qui aujourd'hui n'est justement plus personne. Il ne peut dire « c'était moi » et « c'est moi » et entre les deux 10 ans ont passé. Il ne dispose pas d'un concept opératoire du passé lui permettant de l'appréhender comme du passé et comme son passé. Ce n'est ni la nostalgie d'un temps révolu, ni l'angoisse de sa finitude, mais l'épreuve douloureuse d'une non-coïncidence de soi à soi, soit la rencontre première avec l'historicité. Constitutif de la condition humaine, cet écart est aussi ce qui ouvre la possibilité d'un avenir. Ulysse personne n'est plus Ulysse et il n'est pas encore redevenu Ulysse. Mais sitôt ce moment traumatique passé, il retrouve la capacité de faire mémoire auprès de ses hôtes de ce qui s'est passé depuis son départ de Troie jusqu'à son dernier naufrage. Et il recouvre du même mouvement son identité. Il est de retour dans le monde des vivants. Tout en redevenant lui-même Ipsé, il redécouvre qu'il n'est plus le même idem. Le temps se remet en marche. Et du temps a justement passé. C'est par le récit qu'il peut à la fois opérer cette saisie de soi-même comme un autre, ainsi que Paul Ricoeur l'a nommé, et la mettre en ordre, en la temporalisant selon l'avant et l'après. Se faisant en quelque façon l'aide de lui-même, il réintègre pleinement sa condition de mortel, muni de la feuille de route, dirions-nous aujourd'hui, que lui a donnée Tirésias. Dans les échanges entre Cléos et mort, la rencontre avec les sirènes, déjà évoquée à plusieurs reprises, représente une deuxième expérience limite. Au point même que si Ulysse n'avait pas été dûment prévenu par Circé, l'expérience eût été sans retour, puisque celui qui se laisse ensorceler par leur chant perd, et le jour du retour, et le Cléos. L'imprudent qui s'approche et prête l'oreille à la voix de ses sirènes, son épouse et ses enfants ne pourront l'entourer ni fêter son retour chez lui, car les sirènes l'ensorcellent d'un chant clair, assises dans un pré, et l'on voit s'entasser près d'elles les os des corps décomposés dont les chairs se réduisent. Dès que son navire approche, elle salue Ulysse par son titre de gloire. « Grande gloire des Achéens », lance-t-elle, reprenant exactement le titre qui lui est donné dans l'Iliade. Nous savons, continue-t-elle, tous qu'en la plaine de Troie, les Grecs et les Troyens ont souffert
par ordre des dieux. Nous savons tout ce qui advient sur la terre féconde. Leur savoir est en tout point comparable à celui des muses, qui, partout présentes, inspirent les aèdes. Mais elles sont en fait des muses de mort, des anti-muses, comme on dit antichrist, puisque le bref plaisir solitaire de les écouter se paye de la mort et de l'oubli. Ils meurent deux fois. De fait, si Ulysse cédait à leur appel, non seulement il s'entendrait célébrer comme s'il était mort, mais il disparaîtrait effectivement. Cette expérience aurait été la version négative, létale, de celle qu'il fait chez les Phéaciens. En véritable haine inspirée par les muses qui savent tout, Démodocos chante la gloire des héros d'autrefois pour le plaisir des vivants, alors que les solitaires sirènes ne chantent que pour la perte de l'imprudent qui se laisse charmer par leur voix. Au banquet des Phéaciens, tous peuvent écouter la haine, sauf Ulysse pour qui le choc est trop brutal. Mais cette expérience limite est décisive, puisqu'elle lui permet de renouer avec lui-même et de réintégrer le monde des humains. Une troisième expérience limite, elle aussi, quoique différemment, peut être rapprochée des deux précédentes. Ulysse en est encore le principal protagoniste, mais il n'est pas présent en personne. Évoqué sur le mode du souvenir, il est l'absent, le grand absent. Curieusement, c'est à cette occasion que l'auditeur en apprend le plus sur l'épisode du cheval de bois. La scène se passe à Sparte, chez Ménélas, auprès de qui Télémaque est venu s'enquérir de son père. Hélène, qui en est l'ordonnatrice, commence par verser dans le vin du cratère une drogue, un pharmacone, nommé Népenthès, littéralement qui ôte toute douleur. En effet, quiconque en absorbe, eût-il vu ses parents ou un frère périr sous ses yeux, de tout le jour ne répand plus une larme. Cela fait, Hélène peut entamer le récit des exploits d'Ulysse au pays des Troyens, en invitant les auditeurs à céder au plaisir du festin et des paroles. Hélène commence à raconter Ménélas, Ménélas prend le relais, et tous les présents sous l'effet de la drogue peuvent écouter comme s'ils étaient déjà des hommes de l'avenir, comme si Ulysse était de fait bel et bien mort. Au bout d'un moment, Télémaque, interpellant Ménélas, met fin à cette évocation. Atride, ma douleur n'en fait qu'augmenter. Ulysse n'a pas pour autant échappé à la mort ce cœur de fer. Mais allons, menez-nous à notre couche pour qu'enfin étendus, nous goûtions aux douceurs du sommeil. C'en est trop pour Télémaque, à moins que ne commence à se dissiper l'effet du Népenthès. Enfin, une quatrième expérience limite, la plus fameuse de toutes, mène l'auditeur jusqu'à l'entrée des demeures d'Hadès et de Perséphone, ce lieu de pourriture dont les dieux mêmes ont horreur. Seul Ulysse et ses quelques compagnons ont fait cette expérience qui, ainsi que le dit Circé, revient à mourir deux fois. Malheureux, qui vivant avait vu les maisons d'Hadès, vous mourrez doublement quand l'homme ne meurt qu'une fois. Ulysse a dû entreprendre le voyage, car le devin Tirésias était le seul à même de lui indiquer la route pour regagner Ithaque. Ayant traversé l'océan, et une fois parvenu aux confins des deux fleuves infernaux, Ulysse doit creuser une fosse, faire des libations à tous les morts, ses têtes sans force, égorger un agneau et une brebis noire, tournée vers l'Érèbe, puis alors que se pressent les psuchailles des morts, les empêcher de boire le sang, avant que Tirésias n'ait parlé. De celui-ci, il est précisé que sa psyché est la seule à avoir conservé, par la volonté expresse de Perséphone, Phrénès et Noon, son esprit, sa conscience. Il échappe, semble-t-il, à la léthargie des têtes sans force. De fait, sitôt qu'il approche, il reconnaît Ulysse. Mais pour jouer son rôle de devin véridique, il doit malgré tout boire le sang. Ce n'est qu'ensuite qu'il peut lui indiquer le chemin, les distances du retour
et toutes les tribulations qui l'attendent encore jusqu'au jour de sa mort. Ensuite, la rencontre avec Anticléa, la mère d'Ulysse, permet d'en savoir encore un peu plus sur le statut de la Psyché. Quand elle révèle à son fils qu'elle est morte du chagrin de son absence, il est pris du désir de l'embrasser. Trois fois, je m'ai lancé, mon cœur me pressait de l'étreindre. Trois fois, hors de mes mains, pareil à une ombre ou un songe, elle s'enfuit. Pourquoi ne pas rester ? Lui demande-t-il alors. Hélas, mon fils, répond-elle, le plus malheureux des mortels, Perséphone ne veut pas te leurrer. Ce n'est que la condition de l'homme lorsqu'il meurt. Les nerfs ne tiennent plus, ni les chairs, ni les os ensemble, mais la force du feu qui se consume les détruit aussitôt que la vie a quitté les ossements blancs. La Psyché, elle, comme un songe, s'est enfuie à tire d'aile. Vient enfin la rencontre avec l'ombre d'Achille. Celui-ci commence par s'étonner de l'audace d'Ulysse qui l'a mené jusqu'au séjour des morts, privé de sens, dit-il, à Phradès, double des mortels épuisés. À quoi Ulysse répond que lui, Achille, honoré chez les vivants et chez les morts, n'a pas lieu de regretter la vie. En aucun cas, le reprend vivement celui-ci, et nous l'avons déjà évoqué aussi à plusieurs reprises, ne cherche pas à m'adoucir la mort. J'aimerais mieux être sur terre domestique d'un paysan, fût-il sans patrimoine et presque sans ressources, que de régner ici, parmi les ombres consumées, Psychaï. Cette scène est comme l'envers du décor. Le contrat épique dont la validité semble indiscutable dans l'Iliade ne serait-il pour finir qu'un marché de dupes ? L'Odyssée venant défaire ce que l'Iliade voulait croire établi. Achille, le premier, devait y souscrire, faute de quoi le choix de la vie brève perdrait tout sens. En fait, cette vue depuis l'autre côté vient confirmer qu'il n'y a de survie que dans la mémoire des vivants. Le royaume d'en bas n'a rien d'un paradis, n'y séjourne que des ombres consumées. Car, sitôt dissipé l'effet revigorant du sang, ces morts, Achille, Tirésias, Anticléa, et toute la troupe de celles et ceux qui se pressent autour de la fosse, redeviendront ces ombres qui, après avoir quitté le séjour des mortels, ne peuvent plus se souvenir de quoi que ce soit. Chez Hadès, où nul temps n'a plus cours, ils sont hors du temps. Les morts, comme l'écrit Vernon, cette tête vide, sans force, encapuchonnée de ténèbres, n'ont rien à se remémorer. Pour l'épopée, la mort est la mort, et l'évocation de ceux qui ont su se faire un nom est la seule affaire des vivants, qui, eux, n'oublient pas, grâce aux aèdes, dont la fonction est d'être les dépositaires de la mémoire du groupe. Quant à ceux qui sont passés de l'autre côté du seuil des demeures d'Hadès, ils n'ont plus lieu pour voir, ni d'oreilles pour entendre. Pour eux, la mort est bien ce qui a tout achevé. Merci. Est-ce que les petits cris de chauve-souris, est-ce que les petits cris de chauve-souris que poussent les âmes, est-ce une chose attestée seulement dans Homère, ou c'est une vue des psychraï qu'on trouve ailleurs dans les textes grecs? Je ne vais pas te répondre précisément. J'aurais tendance à penser que ce qu'on ne trouve que là, mais bon, si quelqu'un a une information à ce sujet, oui. Je ne crois pas, mais enfin c'est juste pour rappeler quelque chose, c'est que il y a des années de ça, j'ai entendu une émission, c'était sur France Culture simplement, et c'était des chants de la Grèce moderne, oui. qui dataient du 18e ou du 19e siècle, mais qui étaient encore chantés. Et donc c'est les miroloi, les chants de lamentation sur un défunt. Et très curieusement, ces chants, à chaque fin de phrase, peut-être, je comprenais, il y avait comme un petit cri
comme une petite plainte qui se dirigeait vers le haut, qui montait, comme une petite plainte aiguë à la fin de la phrase. Voilà, ça rappelle, ça n'a pas, ça rappelle simplement, ça me rappelle simplement, c'est ce que vous disiez sur les. Oui, donc ce serait la reprise par les vivants de ce que l'âme est censée, enfin, la psyché est censée faire quand elle s'envole. Possible, possible, possible. Merci en tout cas.